il n'y a pas de plaisir. Alors, pourquoi cette première émission de l'année 1991 est-elle une émission différente, oui? Eh bien, parce que la boucle s'est effectuée. Il y a très exactement 8 ans, il y avait à cette place-là une petite fille qui chantait. Elle avait ton âge, et puis 8 ans se sont écoulés. Moi, j'ai pris 8 ans de plus, elle, ça ne se voit pas du tout. Elle est épanouie, ravissante. Son talent a éclaté, aussi bien comme chanteuse que comme artiste. C'est une comédienne remarquable, une vraie artiste, et qui n'a pas fini de nous étonner, mais qui a gardé toute sa simplicité et sa gentillesse et qui revient aussi simplement qu'elle est venue la première fois. Aujourd'hui, c'est l'école des fans de Vanessa Paradis. Ça a commencé ici, tu as fait un petit tour. Je voulais dire que c'était il y a un peu plus longtemps quand même, c'était il y a à peu près 10 ans. Quand même. Tu crois qu'il y a 10 ans? Ah ben oui, parce que... Et ça se, comment ça se fait que ça se voit pas chez toi, que moi qui me suis revu, j'ai... Voilà. Alors, ça me touche. Et en plus que, nonobstant toutes les occupations, toute la carrière extraordinaire que tu fais, tu prennes le temps de venir un dimanche, ça me touche profondément. Sois-en remercié. Merci. Vraiment. Et c'est toi qui commence, Cynthia. Viens. Attends. Attendez, arrêtez la musique. J'ai du courrier pour toi. Va porter ta lettre. Voilà, j'ai du courrier pour toi. Et là, du courrier pour toi. Viens. Voilà. Tu liras ça tout à l'aise, voilà. Oui, oui. On a chacun la nôtre, merci. Ça doit être une lettre du Père Noël. Mademoiselle Cynthia, sous vos applaudissements, je vous prie. Regarde-moi. Tu as de beaux yeux, tu sais. Quel âge tu as, Cynthia? 5 ans et demi. C'est vrai? Oui. Oui, tu fais beaucoup plus grande. Oui. Oui. Tu as des frères et des sœurs? Oui. Ils sont là? Non. Ah bon? Avec qui tu es venue? Avec papa, maman, papy, mamie. Et où ils sont? Là. Là, c'est l'étudiant là qui a la veste rouge? Oui. Il a l'air sympa, il est gentil papa? Oui. Il crie jamais? Des fois. Ah oui? Comment il fait quand il crie? Bah, il dit Cynthia, sois sage. C'est vrai que tu dis Cynthia, sois sage quand t'es en colère? Hein? Oui, c'est pas plus, exact, oui. Pas plus, même pas un petit merde, rien. Non, 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 elle est tellement gentille. Elle, voilà, t'as entendu ce qu'il a dit? Elle est tellement gentille, et il a l'air très gentil, tu sais. Et maman est à côté? Oui. Bonjour, comment elle s'appelle? Patricia. Bonjour, Patricia. Tu vas bien? Elle va bien. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Il est un moulin d'Orgemont. Il a un moulin? T'as un moulin? T'as un moulin? Un moulin qui fait comme ça? Non, un restaurant! Dans un moulin. Tu connais, tu n'as pas chanté à Orgemont. Non, pas encore. Ce sont des grandes capitales, ça. Tu feras New York, tu feras Tokyo, tu feras Hambourg, puis tu finiras à Orgemont. Mais c'est un endroit charmant pour le week-end. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle travaille à la maison, elle s'occupe d'Adrien. Ah, oui. Si tu veux, je peux t'inviter au moulin d'Orgemont. Je viens. Moi, je viens. Qu'est-ce qu'on mange? Même avec Vanessa Paradis. Ah, mais moi, je suis d'accord pour aller au moulin d'Orgemont avec Vanessa Paradis, hein? C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger, alors? On mange bien. Ah! C'est lui qui fait la cuisine? Non,
C'est pas toi qui fais la cuisine. Il y a un cuisinier. Et qu'est-ce qu'on mange alors? Ben, on mange du crabe, tout. Le crabe d'Orgemont? Les gens se déplacent pour en manger. Oui, dans la rivière, vous le prenez. Qui est-ce qui t'a appris ta chanson? C'est papa ou c'est maman? Maman et Jacotte. Elle est là, Jacotte? Non, où elle est? Elle est à la maison. Elle a bien fait, alors, parce que sinon elle serait montée. Mais maman chante? Oui. Mieux que toi? Non. Non, fais voir, viens là, toi. Viens là. Viens là, viens. Tu vas voir que la famille chante. Bonjour, madame d'Orgemont. Voilà. Je vais vous confier mon micro. Voilà. Alors, quelle chanson allez-vous chanter? Eh bien, Maxou. Maxou. Tu vas voir. On y va. Vous prenez mon micro. Tu chantes? Mais non, tu chantes. Dans mes miroirs où s'endort Max. Oh Maxou, 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 Maxou. J'ai des tiroirs à trésors où je me cache quand je dors. L'amour plus fort que la mort, je le connais, ça fait forcer Max. C'est bien, attends, bouge pas, bouge pas. C'est, franchement, c'est pas facile à chanter. Non, c'est pas facile. Non, parce que le pianiste me disait, elles sont pas faciles, tes chansons. Ouais. C'est vrai, il faut être très musicien et vous l'avez chanté très bien. Il manquait peut-être, tu crois pas que tu pourrais venir la chanter toi aussi? C'est peut-être la seule occasion de ta vie d'approcher Vanessa. Après, tu ne la verras plus que dans les journaux. Elle va partir à Hollywood dans un an, on la reverra plus jamais, sinon sur les écrans Technicolor. Alors tu veux pas la chanter, la chanson? Je veux bien lui faire une bisque. Eh bien alors va, mais je te surveille, hein. Voyez comment ils sont les hommes? Voilà, Vanessa Paradis, le papa de la petite, voilà. Voilà. On m'a dit quatre fois, c'est comme ça, c'est à la mode d'Orgemont. Au revoir monsieur, merci. Au revoir madame. Dis donc, qu'est-ce que tu vas faire toi quand tu seras grande? Docteur. Docteur, on en a besoin. Pour tu crois que c'est un beau métier, ça? Oui, parce que ça soigne les gens qui sont très malades. Ah oui? Tu reconnais des gens très malades? Oui. Comment on fait? Alors, tu sais qu'il faut rester très longtemps à l'école pour être médecin? Oui. Beaucoup plus que pour faire de la télévision? Oui. Je te souhaite d'être médecin, docteur Cynthia. On va donner une note à Cynthia. 10, quel galant homme, 10, vous avez tout compris. Voilà, on applaudit très fort la première candidate. Mon petit pote, c'est à toi. Je te présente Julien. Julien, Vanessa. Tu peux aller... Oui, voilà. Tu sais déjà t'y prendre, tu as compris qu'on n'arrive pas les mains vides auprès d'une dame. Il en a de la chance. T'aurais pu amener des roses, toi. Ouais. Allez, viens. Eh ben, vous l'applaudissez pas? Ça va, Julien? Oui. C'est la première fois que tu vois Vanessa pour de vrai? Oui. Comment tu la trouves? Belle. Exactement. Tu m'as ôté le nom de la bouche. Elle est belle et en plus elle est gentille. Quel âge tu as? 4 ans et demi. Tu y fais plus, hein? Avec le chapeau, il fait plus. Tu aimes bien porter une casquette? Oui. Qu'est-ce qu'il a acheté cette casquette? Papa. Oui, laisse papa là. Et pourquoi tu la mets pas toi?
Hein? C'est ton papa, là, ce gamin? Quel âge il a? 30 ans. Oh, la vache. 30 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un papa qui fasse aussi jeune. Et alors, sur les genoux de papa, c'est ta petite sœur? Oui. Comment elle s'appelle? Charline. Ça va, Charline? Bonjour. Elle chante? Oui. Tu t'entends bien avec elle? Oui. Vous vous disputez jamais? À des fois. Des fois, comme les gens mariés, quoi. Il n'y a jamais de scène, quoi. Mm. Et maman, tu m'as pas parlé d'elle, où elle est? Oh! Ah, ben oui! Quoi? Ben viens me le dire! Mais viens, qu'est-ce que tu voulais me dire? Viens. Qu'est-ce que tu disais? Mon Snoopy, il est dans la maison. Le Snoopy est resté à la maison. Tu sais pas, tu peux pas t'imaginer. Imagine que tu aies un Snoopy qui soit resté à la maison. Tu restes avec moi? Viens. Julien, ça va? Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Ma maman. Tu en as de la chance. Elle chante, maman? Oui. Elle chante bien? Oui. Papa chante mieux? Non. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il est boucher. Bonjour, monsieur le boucher. Il a une tête de séducteur. Moi, je pensais que vous faisiez de la télévision. Vous êtes un boucher de charme, hein? Vous devez avoir une grosse clientèle féminine qui doit arriver en faisant bonjour boucher. Un gigot. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, toi? La moto. Tu veux faire de la moto, oui. C'est aussi une forme de boucherie, si on n'y fait pas attention, hein. Et maman, elle travaille? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la vaisselle. Eh oui. Ça, c'est un drame. Quelle chanson tu chantes, toi, de Vanessa? Marilyn et John. Marilyn, et tu la connais, toi, cette chanson? Oui. Quel âge tu as? 2 ans et demi. 2 ans et demi, Vanessa. Attends, je te donne mon micro. Toi, tu chantes dans celui-là. Et toi, dans celui-là. Pousse-toi un petit peu. Et doucement, les basses, hein. Allez-y ensemble. Marilyn dans sa bouche, elle pense à John, n'y a qu'à John. Un sourire, puis un soupir, elle fredonne une chanson, ni triste, ni gaie. Vous chantez bien. Je crois que tu peux embrasser ta sœur, hein, parce qu'elle t'a bien aidé. Voilà. Et tu peux embrasser ton frère. Voilà. Eh ben, mes enfants, vous en avez de la chance, hein. Tu retournes vers maman? Attention, ne glisse pas, hein. On donne une bonne note, tiens, donne une bonne note, là, là. Cynthia, on donne un 10. Sarah, un 10. On donne un 10, voilà. On donne un 10, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez observé que, à l'école des fans, quand un enfant chante, c'est la famille qui chante? Et je vous ai vu chanter tous les deux. Faites voir, là. Allez, venez. Tu vois, une chanson est véritablement populaire que lorsque l'entier de la famille le chante. Bonjour monsieur, madame, vous prenez ce micro, toi tu prends celui-là, et devant Vanessa vous chantez.
jaune, rien qu'à jaune. Un sourire, puis un soupir. Elle fredonne une chanson, ni triste, ni gaie. Entre deux toits, interview. Excusez-moi, c'est pas la grand-mère qu'elle a ? Comment elle s'appelle ? Janine. Dis donc, Janine, je te vois chanter. Oh, attention, hein ? Attention, Janine. Allez, Janine, écoute, je t'ai vu chanter. En plus, elle a autant l'air d'une grand-mère que moi de l'archevêque Canterbury. Elle a, regarde ça. Janine, il n'y a pas de raison. Tu lui prêtes ton micro ? Moi, j'adore les chorales. Voilà, là. Vous faites vraiment pas grand-mère. On dirait les deux sœurs. Alors attention, regarde bien. Allez-y. Les mecs d'un côté, les filles de l'autre, comme à l'église. Allez. Marilyn peint sa bouche. Elle pense à John. Rien qu'à John. Un sourire, puis un soupir. Voilà, j'ai dû me tromper. Ah, ah. Merci. Ma troisième candidate s'appelle Sarah. Avec une très belle faute d'orthographe, parce que je crois pas que le H, ça se mette là. Mais enfin, ça fait rien. Viens, Sarah. On applaudit très fort, Sarah. Tu as très chaud, hein, Sarah? Je touche ta main et je m'aperçois que tu as très chaud. C'est normal, tu sais, c'est un métier qu'on fait en plein soleil. Quel âge as-tu? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Tu as des frères et des sœurs? Oui. Combien? Une. Une. Elle est là? Non. Avec qui tu es venue? Maman, mamie, tata et tonton. Oh, bonjour. Maman est ravissante. Comment elle s'appelle? Zalia. Bonjour, Zalia. Leur papa n'est pas venu? Est-ce qu'il travaille? Non. Il boude? Non. Il se met jamais en colère, papa? Si, des fois. Comment il fait quand il est en colère? Il dit Sarah. Si. Il dit? Je sais pas. Tu sais pas ce qu'il dit, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Comme métier. Je sais pas. Tu sais pas ce qu'il fait, tu veux pas nous le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans l'informatique, ça c'est pas très marrant comme métier, hein. Tu sais ce que tu veux faire, toi, quand tu seras plus grande? Non. Tu sais pas. Tu vas à l'école? Oui. Tu sais compter par cœur? Oui. Tu comptes jusqu'à combien? 12. À 2? Bah là, tu te fatigues pas, là. À 12 quand même, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, tu sais pas. 13. Ah, tu vois. Et après 13, tu sais pas.
14. Eh ben, tu vois quand tu veux. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et après 27? 28. Et après 28? 29. Et après? 30. Bien, et après? 31. Continue. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tu vois, tu sais compter. Tu m'avais dit jusqu'à 2, heureusement. Je suis sûr que tu sais compter jusqu'à 100. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Maman. C'est vrai? Et quelle chanson tu vas chanter? Dans la brousse. Hein? Comment ça s'appelle? Dans la brousse. Eh ben vas-y, je vais te mettre le micro bien dans la bouche. Je vais demander au pianiste. Voilà, vas-y. Coupe dans la brousse, coupe dans les bois. Casquette et voilà. Nantana tourne, tourne autour de toi. Le fer de ta machette est coupé. Il faut couper les roseaux, d'où le sucre coule à flot. Et voilà, couper c'est ton boulot, la machette casse le dos. Fais foger, yeah, 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 yeah. Fais foger, yeah, yeah, sucré. Elle a très bien chanté. Ça n'est pas évident. Tu vois, il y en a qui disent une autre. Très bien, bravo. Sarah, je suis très content que tu m'aies rendu visite. Et très content que tu aies bien chanté ta chanson. Aussi, vais-je demander à Cynthia, à Julien, à Jean-Philippe, à tout le monde, de donner une note. Une bonne note, hein, Julien. Combien c'est, ça? Je sais pas. Tu sais pas. Eh bien, considérons que c'est un 10. Allez, voilà. On applaudit très, 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 très fort. Et puis, déjà, comme le temps passe, voilà notre avant-dernier candidat. Regarde-le. Fais voir comme tu es grand. Mets-toi debout. Oh! Saute pour voir si t'es sportif. Oh! Superman. Essaye de monter. Oh! Il s'appelle Jean... Philippe. Jean-Philippe. Quel âge tu as, toi? 5 ans et demi. 5 ans et demi? C'est un mec. C'est tout, c'est un mec. Tu as des frères et des sœurs? Non. T'es un enfant tout seul? Oui. Tu voudrais avoir un frère? Non. Une sœur? Oui. Tes parents savent où il faut appeler? Quoi? Tes parents savent où il faut la commander? Non. Ah, je leur donnerai l'adresse. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Dans quoi? Du garage municipal. Vous êtes le chef du garage municipal. Bonjour, monsieur. De Paris? Oui. Tu es parisien? Non. Ah bon. Et où habites-tu? Asnières. Asnières, vous êtes le chef du garage municipal d'Asnières. Pardon, monsieur, bonjour. Excusez-moi, enchanté, monsieur, mes hommages, madame. Comment elle s'appelle, maman? Martine. Martine, elle travaille? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec madame Poisson et monsieur le maire d'Asnières. Et la jolie fille qui est à côté de ta maman, c'est qui? Ma sœur. Ah, elle est bien. Elle a quel âge? 18 ans. Ah oui. Pourquoi je fais pas des écoles des fans, moi, des sœurs, hein? Tu t'entends bien avec elle? Oui. Oui. Qui est-ce qui t'a appris ta chanson? Maman. Très bien. Avec madame Poisson? Maman. Non, madame, je sais pas, je te pose la question. Papa chante pas? Non. Et quelle chanson on chante? Un mosquito. Un mosquito. Allez, vas-y, toi. Un mosquito, c'est un moustique en colère. Un mosquito, pique, pique, pique à ma chair.
Un mosquito s'approche des yeux d'une rivière. Un mosquito, sa vie au milieu de ses frères. Un mosquito. Un mosquito, ça rêve loin d'une rivière. Un mosquito, ça préfère la chaleur. Un mosquito, ça tape la tête la première. Un mosquito, ça voit les chanches des baigneurs. Un mosquito, ça cloque chaud. Mosquito, chez les bronzés, chez les palos. Alors, moi je te dis bravo. Non, non, reste. Je te dis bravo. Et d'un commun accord, Vanessa Paradis et moi-même protestons contre ce pianiste qui accompagne n'importe comment depuis qu'il a été au Japon. Alors vous jouez n'importe comment. Dis donc, tu as bien chanté, vraiment. Ça nous a fait très plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, toi, comme métier ? Docteur. Encore ? Et pourquoi ? Parce que... C'est une réponse. Parce que quoi ? Parce que j'ai déjà une mallette de docteur. Tu as ? J'ai une mallette de docteur. Il a déjà la mallette du docteur. Eh bien, quand on a la mallette, il n'y a plus que... Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Bah, pour écouter le cœur. Oui. La piqûre, la température. Il y a un truc qu'on met au bras que j'ai cassé. Ah, c'est toujours le truc qu'on casse. C'est le Père Noël qui t'a amené ça ? Oui. Il est drôlement ça. Ah, quand, oh la vache, il y a longtemps. Quand t'avais 4 ans. Alors, le truc au bras, c'est très important. C'est pour prendre l'attention. Oui. 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 Et puis, tu sais, moi, si je m'en souviens bien, aussi à ton âge, enfin, et même beaucoup plus tard, j'ai joué aussi au docteur. C'était très, très intéressant. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas de mallette. Non, non, c'est intéressant. Moi, j'ai... Eh bien, je te souhaite une bonne carrière. Et quand tu reviendras me voir, j'espère que tu seras médecin. Mais repasse avant. Oui. Au revoir, docteur. Au revoir. Voilà. Une note. Julien. Julien a tout compris. Tu as très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est toi la dernière. C'est à toi. Alors tu te lèves, tu n'oublies pas le cadeau que tu avais apporté pour te le remettre. Tu verras, c'est pas grave. Ça c'est lourd, bien sûr, ça c'est pour Vanessa. Non, ça c'est pour toi. Tu es sûr ? Oui. Tu es sûr que ça c'est pour moi. Encore de l'eau de Vichy. Et puis, et voilà. Eh bien, oui, tu as raison. Ma dernière candidate, mesdames, messieurs, que vous applaudissez aussi fort que la première. Tourne un peu que je vois ta robe. C'est la première fois que tu la mets ? Oui. J'en étais sûr. Les chaussures aussi, hein ? Non. Ah, écoute, c'est comme si je t'avais jamais marché avec. Elles sont ravissantes. D'où est-ce que tu nous arrives, toi ? De Royan. De Royan, que je connais très bien. Comment tu es venue ? En voiture. En voiture. Par l'autoroute ? Oui. Ah, ils l'ont pas fauché, là. Non. C'est toi qui conduisais ? Non. Qui c'est qui conduit ? Papa. Où il est ? Là. Il a l'air sympa, papa. C'est lui qui conduit ? Oui. Il met sa ceinture ? Pas des fois. N'hésite pas à le signaler sur la route. Et à côté, la jolie dame, c'est ta maman ? Oui. Comment elle s'appelle ? Brigitte. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce qu'il fait papa comme métier ? Il travaille... Je sais pas. Tu sais... Tu as des frères et des sœurs ? J'ai une sœur. Une sœur. Et maman travaille pas non plus ? Avant elle travaillait, parce qu'elle a eu une petite sœur, maintenant elle travaille plus. Eh oui, mais avoir une petite sœur c'est tout un travail, hein. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson ? Ma cousine. Ah, où elle est ? Fais voir la cousine. C'est toi qui as appris la chanson ? Oh, viens alors. C'est cette cousine-là ? Oui. Comment elle s'appelle ? Delphine. Eh ben viens Delphine, c'est elle qui connaît la chanson. Vous pouvez applaudir Delphine. Viens.
Alors, c'est toi qui as appris à ta cousine les chansons de Vanessa Paradis? Pas toutes. Pas toutes, mais tu en connais? Une. Une, ben ça c'est bien. Tu as jamais vu Vanessa Paradis de près? Non. Eh ben regarde, elle est là. Vanessa Paradis. Alors tu pourrais la chanter avec elle, la chanson? Oui. Eh ben écoute, voilà un micro. Tu te mets à côté. Et laquelle vous chantez? Je le taxi. C'est ma préférée. Je le taxi, papa partout, marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur, tous les petits bars, tous les coins noirs et la Seine. Et ses ponts qui brillent dans sa caisse, la musique à jouer, c'est la rumba, le vieux rock au mambo. Remets mambo, Joe, dans sa caisse, la musique à Joe résonne, c'est la rumba, le vieux rock au mambo bidon. Vas-y Joe, fonce dans la nuit. L'élève, bravo, merci. Voilà, Vanessa, tous ces enfants sont venus, merci de donner de bonnes notes, des quatre coins de France pour avoir le plaisir de chanter en ta présence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Eh bien, regardez bien. Cette semaine, les magasins Jouets Club ont sélectionné pour vous, mesdemoiselles, ce van transportable et cette poupée Barbie qui s'éclaire quand on la serre contre soi. En somme, c'est ce qu'on appelle allumer. Voilà. Et de leur côté, les garçons reçoivent un vrai camion américain, comme il y en a dans le désert en ce moment. Et à tous, Jouets Club offre encore ses marsipulamis. Et à vous, les petites filles, Bercher offre des lingeries multifonctions pour laver, repasser, ranger les vêtements de votre poupée, ainsi qu'une poupée. Et à vous, les petits garçons, Charton offre un garage multistation, un funirolaire, une nouvelle génération de planches à roulettes et un jeu de société challenge foot. Et ce n'est pas fini. Car la vedette qui est là aujourd'hui est proche des enfants et vous avez vu que tandis que les petits enfants chantaient, elle les regardait attentivement. Je suis sûr que tu aimes les enfants, Vanessa. J'adore. Alors, tu adores les enfants. Eh bien, et ça se prouve parce que tous les autres cadeaux que vous voyez là, toutes ces bicyclettes sur lesquelles les papas n'ont pas le droit de monter, même s'ils en meurent d'envie, tous les cadeaux que vous voyez là, tous les disques, tout le reste, ben c'est un petit peu le Père Noël de Vanessa Paradis qu'on va remercier, comme nous savons le faire. Nous allons découvrir, avec l'huissier qui vient ici chaque dimanche pour la bonne cause, Maître Petet, le gagnant du jeu Télé Loisirs de la semaine dernière. La question était la suivante: quelle est la monnaie du Sri Lanka? La réponse était très simple, c'est simplement la roupie. Alors, Maître, où êtes-vous? Je vous aperçois entre les baigneurs, entre les jouets. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, c'est un gentil huissier. Alors, là, le gagnant, la gagnante de cette semaine sont... Oui, allons-y. Armons-nous de patience. Alors, il s'agit de monsieur René Garrigue, quartier de Camus à Mourinx, le code postal 64-150. Eh bien voilà, monsieur, vous avez gagné un voyage pour le Sri Lanka pour deux personnes. Et en plus, ce n'est pas fini. Vous êtes abonné pour un an au magazine de télévision Télé Loisirs. Je pense qu'on peut les applaudir. La semaine prochaine, nous découvrirons au même instant de l'émission le gagnant d'aujourd'hui. Et puis maintenant, je me tais parce que c'est à toi.
Ça fait environ 40 minutes que j'attends que tu chantes. Alors qu'est-ce que tu chantes? Je vais chanter « Dis-lui toi que je t'aime ». Et ben voilà. Va. Applaudissez. De Vanessa Paradis, que je remercie du fond du cœur de sa visite. Je te souhaite une année heureuse. Je te souhaite de nous refaire très vite un aussi joli film. Je te souhaite tout ce que tu as envie. Et tu le mérites. Voilà. Merci pour ta gentillesse. Et maintenant, on ne ferme pas le rideau. Parce que sinon, tu ferais des malheureux. Il y a tous ceux qui veulent t'apporter leurs fleurs. Et regarde, ce sont les enfants. Parce que s'il fallait laisser venir tout le monde. Voilà. L'école des fans de Vanessa Paradis. Voilà. Regarde, toutes tes fiancées arrivent. On ne bouscule pas. Voilà. Bonjour. Moi, j'aime bien.
cas. Et puis,